Donc ça, c'est un objectif nouveau départ que mérite d'abord nous prend et rencontre avec professeur, directeur d'école qui dans la commune, nous avons choisi, c'est nous avons un projet pilote, c'est dans le cadre d'insertion jeune dans la vie socio-éducative, sportive et culturelle que nous avons mettre sous pied à travers la direction des affaires sociales dans tabac, dans la commune. Nous voulons intégrer les jeunes dans la vie sociale qui gagne, dans la vie culturelle que nous gagnons dans la commune. Nous remarquons que les jeunes ne sont pas intégrés, les jeunes ne sont pas impliqués dans ce qui a passé dans la commune. Nous voulons plus impliquer. À travers la direction des affaires sociales, nous gagnons un projet que nous avons mis sous pied pour nous capables non seulement de faire formation sur la question de leadership collectif, nous gagnons un travail sur l'entrepreneuriat, l'éducation civique, sport, environnement, urbanisme, l'art et culture que nous avons bail des formations et nous avons commencé à travers mon petit monde qui est dans l'école secondaire, dans secondaire 3, secondaire 4 pour être capable des formateurs eux-mêmes, nous former eux pour capable des formateurs, son projet pilote que nous avons fait et une fois que eux-mêmes ont fini prendre formation ça et nous allons recruter l'autre jeune toujours et petit monde ça qui gagne formation capable des formateurs pour capable éduquer l'autre qui plus petit que eux ou bien l'autre nouveau que eux n'a gagné. Nous commençons avec 20 l'école toujours, 20 directeurs d'école qui étaient là, nous avons commencé ensemble avec eux et nous allons commencer le projet pilote ça. Nous allons commencer 100 jusqu'à 500 jeunes et chaque samedi nous avons gagné une formation que nous avons au niveau mairie même dans la protection civile là. Et nous allons recruter les jeunes à travers tabac dans l'école, des jeunes qui pourront gagner plusieurs orientations que nous-mêmes nous gagnons, nous pouvons le bail. Et puis belle bagaille que moi-même, bon, personnellement, que moi enchanté que nous pouvons le mettre, c'est un choral municipal que nous avons gagné. Nous pouvons gagner un choral municipal et nous avons gagné tout, une propre équipe de théâtre, pas non. Parce que d'habitude, nous avons fait n'importe événement, nous avons pris l'autre troupe dehors. M'a dit que nous pas toujours prendre l'autre groupe dehors, nous gagne théâtre national que nous toujours travaille ensemble avec eux qui c'est des professionnels et que moi mes travaille avec eux mais en même temps tout moi t'a remet promouvoir culture pas nous tout au niveau tabac jeunesse tantôt pour nous promouvoir yo et pour nous capable ba yo l'autre orientation au lieu que des fois au site l'école ou bien le samedi par exemple, il n'y a pas grand pour y'a fait. Yo dans la rue, hein, moi t'apprends mais que nous même au niveau tabac, au niveau de commune, c'est rôle magistrat pour nous capable encadrer jeunes ça yo dans diverses activités que nous gagne pour nous capable entreprendre au niveau commune. Nous même dans Sénat tout employé à travail. Et sauf employé qui matin en te confusion dans notre président Garibaudoua. Qui pensait peut-être que notre là concernait à la fois la Chambre des députés et le Sénat de la République. Le Sénat, comme institution, il fonctionne en permanence. Et comme de fait, et permanence dans, il est maintenu et il a continué. Nous sommes capables seulement de préciser que nous sommes dans le Parlement haïtien. Le Parlement haïtien a deux branches distinctes. Il a gagné qui gagne autonomie propre, qui gagne mode de gestion propre, c'est la Chambre des députés qui préside par, bien sûr, le président, et le Sénat de la République qui préside par votre serviteur. Chambre des députés, il est en vacances. Et compte tenu du fait que la vacance, la prétend que vous voyez loi électorale là avec budget à venir, et n'a pas annoncé non. Que matin même, le secrétaire général du Conseil des ministres, relève moi pour dire que soumettre moi loi électorale. Là. Nous parlons de dépôt officiel, peut-être que ça parce que dépôt officiel là, il faut gagner, on mise en contexte, on expose des motifs et autres, etc., qui fait du haut de la tribune du Parlement. Et nous capables en mesure pour nous dire que jeudi, la loi électorale là, eh bien, licencié, disponible au niveau du Parlement, tout au moins au niveau du Sénat de la République. Nous avons précisé tout par la même occasion. Dans le moment même, nous avons parlé ensemble avec vous là, la Commission Justice et Sécurité du Sénat, et en
consultation, un dialogue, un échange sérieux avec le CSPN, et hormis membres de la CSPN qui n'est pas présent en Haïti, pour être capable de garder ensemble le plan de sécurité pour 18 novembre. 18 novembre, nan, tant pour 17 octobre, tant pour n'importe qui l'autre jour manifestation a fait et que a annoncé la police, son jour tant pour tout jour. Sauf que bruit autour de questions qui fait, descendre drapeau bleu rouge, mettre drapeau noir et rouge et autres, etc., fait que CSPN, nan, pouvoir exécutif la plus particulièrement, lui accorde une importance particulière à ça. Et nous-mêmes tout, comme sénateur, assemblée sénateur, il est important pour nous connaître qui ça a gagné dans le plan. Le plan, nous ne pouvons pas dévoiler, bien sûr, parce qu'il y va de la sécurité nationale. Mardi, c'est gros bagaille qui a gagné ici. Gros bagaille qui a gagné ici, parce que le CSPN au grand complet à présent, pour nous compte rendu et détail avec les détails sur toute action qui entreprend. Il y a des sénateurs qui étaient pensés que nous avons fait la huis clos, nous dit pas question, la sécurité nationale, hormis plan de sécurité, eh bien, ce qui concerne chaque haïtien sans distinction. Nous avons fait séance en séance publique. Et c'est l'occasion tout pour que nous rencontrions avec d'autres ministres, comme le ministre intérieur, justice, directeur général ONI, directeur archives nationales, etc., pour nous parler tout de dossier d'Hermalogra, de dossier fer là, fonds d'entretien routier, et de dossier FNE, pour nous capables de garder de quoi il en est à partir du rapport que BRH ba nous sous contribution qui collectait pour comme des cadeaux gonflés en compte FNE et fer. Travail fer à faire, s'allier, qui s'alpaillait et autres, etc. Pour nous connaître de quoi il en est exactement. Et n'a précisé que séance ça n'a pas fait public pour que tout le monde informé et la presse est informée. N'a bien tout par la même occasion pour nous prononcer notre sur les deux autres sièges à la Cour de cassation. Le rapport est fin prêt. Gagné 7 candidats potentiels qui sont potentiellement qualifiés. Et le Sénat a gagné pour les prononcer li sous 6, a gagné Youn qui n'est pas retenu, et dans deux listes de 3 que nous avons transféré par exécutif là. Et une fois que nous avons transféré par exécutif là a gagné tout siège au grand complet dans le même, de ça que nous avons fait procédure régulière. Nous avons consulté CSPN pour avis de conformité et ensuite publié dans le journal officiel Le Moniteur. Et prestation de serment pour qu'on ait une cour de cassation au grand complet avec 10 membres. Et, en gros, c'est ça, avec 9 membres. En gros, c'est ça que nous sommes capables de dire pour l'instant. Secrétaire général du Conseil des ministres, il est moins pour dire que l'on est en route pour le Sénat avec la loi électorale, le projet de loi électorale, pour lui soumettre lui bay bureau et bureau Sénat et bureau Chambre députée. Alors, tout est-il, comme Chambre députée, Chambre d'un des présidents le dit, et que Chambre députée assemblée dit handicapé, eh bien, le Sénat, lui-même, sous deux jambes ni, bien diam, et la recevoir et attendre loi électorale là pour que, dès lundi, ou mardi, n'a pas de dépôt officiel là, les fêtes, et pour transférer le bail commission intérieure, pour commission intérieure, les mêmes travaillent d'arrache-pied sur lui pour que nous produisions, nous mettions campé loi électorale là, au niveau Sénat, en attendant que Chambre députée a pris disposition pour ça. Mais on a rappelé aussi également que la Chambre des députés est convoquée en session extraordinaire. Et il gagne un menu, accord suisse, et nous gagnons, la loi électorale, et le budget de l'exercice 18-19. Vous considérez que dit presque au millimètre près la prouver dans le Sénat. Et comme quoi Mdakadi aujourd'hui, le président du Sénat vous donne la garantie que la loi, le projet de loi électorale est censé déposer
au Sénat de la République. Ce sont leurs combats adversaires. Mais je dis, préoccupation, c'est normal. Il faut que chaque monde crée et garantisse conditions de sécurité d'abord. Et préoccupé parce que nous sommes responsables d'État, mais préoccupé pour nous assurer la sécurité des manifestants. Parce que ce qui est important, c'est que la Constitution et les lois de la République donnent plein droit à tout le monde pour exprimer mécontentement yo, ou bien désappointement yo, dans la façon que vous voulez, mais de façon non violente. Un fait est certain, c'est que jeudi, il y a des groupes qui ont même annoncé manifestation, il y a des groupes tout qui désolidarisent de manifestation, il y a des groupes tout qui pensaient peut-être que manifestation qu'a fait jeudi, même lorsqu'elle apparaît légitime parce que son question et manifestation qu'a fait depuis quelques temps, qu'elle réunit 100 monde, qu'elle réunit 2000 monde, qu'elle réunit 20 000 monde ou bien 50 000 monde, eh bien, manifestation légitime parce qu'il est question des fonds pétro-caribés. Vu que le processus a été enclenché, le processus a été en branle, eh bien, manifestation ça a été annoncé bien avant que le gouvernement ou bien la justice a pris disposition pour que les travaillent sur le dossier pétro-caribéen, eh bien, les maintenus. De toute façon, on a dit que son move qui doit aller très certainement en décrescendo. Mais un fait est certain, ça qui peut aller en crescendo, eh bien, c'est la Cour des comptes qui doit travailler d'arrache-pied, la justice qui doit lui-même saisir, mais de son façon tout pour nous dire que à un certain moment, lorsque un pile monde te pensé, te gagne pile passion dans l'air, te gagne pile fanatisme dans l'air, qui t'a animé chaque discours, chaque parole, etc. Je ne veux dire ça que nous constatons, nous voyons que les experts, les hommes de loi, importants, commencent à dire que le Sénat a raison parce que la procédure-là, il doit initier à partir de la Cour des comptes. Dixit, Samuel Madisney. Il y a des gens qui n'ont pas à voir avec la question de violence qui a démarré la manifestation. Bon, s'il y a une violence, la police se doit de sévir. Sévir rigoureusement. Parce que c'est le rôle de la police pour lui réprimer toute forme de violence. Mais manifestation en tant que telle, et son bail qui est garanti par la Constitution et les lois de la République. Et c'est même un devoir au monde même et devoir à la police pour lui encadrer manifestation qu'a fait dans l'ordre et la discipline. Et c'est devoir à la police tout pour lui réprimer tout acte de violence ou de vandalisme perpétré pendant une manifestation. Dans un ensemble d'opérations qui étaient de toute qualité, non. Opération Bagdad. Nous tous connaissons. Le président Préval a initié deux programmes. Un programme qui pour collecter les âmes dans les monde qui veulent remettre les âmes. Mais on l'autre initiative, tout le monde qui veut remettre les âmes pour tout le monde. Et vous avez choisi, vous avez choisi de remettre les âmes parce que vous voulez mourir. Vous avez choisi de remettre les âmes et de mourir avec. Je ne vous dis pas, il y a des groupes de gangs qui ont opéré dans la Saline. Nous avons des dégâts, batailles entre gangs à fait. Nous avons pile mort sous Fatra. La police a pour devoir et pour responsabilité sécuriser le milieu ça et faire en sorte que des victimes innocentes ne pas continuer à tomber encore sous impact balle, bandit ou bien malfaiteur. Je dis à lui aussi clair tout. Et que, on nécessite un dialogue en d'un pays. Un dialogue qui supposait déboucher sur ça que m'était carré un pacte de gouvernabilité et l'intégration de tous les secteurs sains et positifs, politiques, économiques ou bien sociales qui gagnent d'un pays, dans le système de gestion et d'administration pays. On croit que c'est voie ça qui est la voie idéale et que toute forme de violence, de quelque nature qu'elle puisse être et à quelque niveau que ce soit, eh bien, d'y contribuer à faire qui ça? Tout pis y moun ki pi pa bon yo,
et puis renforcer capital financier moun ki pi bon yo. Jounen jodi an, n'a constaté à un certain moment goud ki te à 50, jounen jodi al passe à 75, dollar te à 50, il passe à 75, l'ol monte à 70-80, et m'songe yon jou m'de di sa la, et en pile journaliste pas de promo sérieux, et en pile moun peut-être pas de promo sérieux, l'homme te dit ça parce que conjonction pas approprié. Eh bien, je me dis, il faut faire bien attention pour que nous ne nous retrouvions à la fin de l'année 2018 avec un goud qui a voisiné les 80, un dollar qui a voisiné 90 goud pour un dollar. Et c'est là ça, tout le monde a processé et a compris qu'il y a lieu, je ne veux dire, pour nous souder coude, nous tête ensemble, nous compréhension réciproque, faire taire les querelles de chapelle et accepter que la démocratie, le vivre ensemble, eh bien, c'est lui-même qui caractérise le comportement chaque Haïtien en d'un pays. Je commencé par porter un démenti formel sur des rumeurs que moi-même et délégué t'a impliqué des actes répréhensibles. Pendant que je profite tout pour saluer tout le monde qui est victime de quelque acte que ce soit, de quelque chose à monde que lié. Et pas bien que la police et la justice gagne une structure qui rapidement qui saisit de tout ça qui passé pour mener enquête et pour faire lumière et pour traduire Mounio devant la justice. Il est clair que l'État haïtien, la police, Bouopamina, la justice, pas tolérer ça qui a fait là côté gang armé a occupé un série de quartiers, a semé la trouble, a péché. Peuple haïtien Mounio vaqué à occupation. N'a poursuivi jusqu'au dernier retranchement et n'a traduit devant la justice. Bon phénomène qui développe depuis quelques temps. Dortelles family. Fausse information qui est en danger pour ce genre. M'abdoum pour ça. L'ego a qui posé en côté. Collègue Mounio qui est victime. Rapidement, ou accusé un grain Mounio qui n'a aucun rapport à sa gaffe. Qui sont fait? On mettait frais. Criminel là, ou bien moun qui présumé criminel là, l'on situation de confort, côté li font bagay, et vous accusez on l'autre moun li même li li pour commencer à faire l'autre bagay. Là ça, c'est tout moun qui est en danger, et c'est société qui est en danger. Donc, c'est vrai que tu as parlé plus de plusieurs fausses nouvelles qui ont circulé, et encore jusqu'à ce matin, qui n'est pas bon, et que nous-mêmes, que nous nous confirmer, que nous-mêmes, nous voulons nous, nous confirmer, pour me dire nous tout que, ça qui passe à la saline, information, il vient clair que nous connaissons que un chef de gang qui était blessé, tout le monde est condamné, qui était dans l'hôpital de la Meuse, et que la police a arrêté de prendre soin, et que un chef qui était mouru, et que c'est malheureusement son histoire de gang armée. Nous, clair que ce n'est pas un secret pour personne que la région métropolitaine n'a pas qu'à d'un armé qui a opéré et puis ils ont bougé entre le quartier et le fond sur les deux actes que nous condamnons et que nous avons arrêté quand même. Pas oublier que nous parlons longtemps que nous faisons opération et nous avons besoin de sous contrôle du village de Dieu. Ça m'a dit la police en pile déploiement, en pile de fonds en termes de ressources humaines, en fond de matériel tout pour faire. C'est ça qui fait que nous n'avons pas de doute à faire intervention au niveau de la saline pour nous faire même d'avoir su les prendre en pile dispositif pour nous préparer en pile tantôt pour nous faire opération ça. Donc ça veut dire que on gang rival a laissé prendre contrôle au espace et dans certains cas et dans le cas de la saline là, il y a des informations ça comprend que il y a des gangs sur l'autre côté qui a appuyé en l'autre gang pour bon espace en l'autre gang. Ça c'est pour chercher opération cette situation là. Mais la police comme d'habitude après ça militaire pendant par rapport là la opération qu'on y a là en présence du juge de paix et tout de la police en bas la saline pour nous prendre contrôle zone là. Dortelles family. La police habituée avec genre d'opération de manifestation. Donc avec la police je le top genre de travail, genre de très professionnel. Eh bien, même la police là, il est là toujours. Même moi je à mettre à disposition, on fait plusieurs réunions pour assurer que la police pour le travail et pour sécuriser ville là correctement le 10 novembre. Mais nous-mêmes, tout, comme les gens qui sont dans la presse, les gens qui sont en contact permanent à ce temps, mais saluer l'effort de trois groupes
tels que groupes religieux, secteur privé, qui lancent un appel au calme. Qui dit clairement que il n'est pas correct pour les monde qui ont lancé des appels à la violence sur plusieurs émissions de la capitale. Donc, je salue le monde qui est courageux, qui est écrit, qui dit qu'il n'est pas logique parce que la démocratie n'est pas comme ça à fonctionner. Il n'est pas fonctionné pour que les gens appellent violence, ni dans la presse, ni sur n'importe quelle forme que ce soit, pour nous déstabiliser le pays. Je salue le monde qui fait notre public et que nous connaissons. Ensuite, l'éclair tout pour nous attirer attention mon que la police est obligée de faire travail de titan. Parce que jusqu'à matin là, nous recevons 4 demandes de manifestation, d'autorisation. 4 demandes toutes sur l'ouest. Bon, on a dit qu'il y a plusieurs territoires. Sur l'ouest seulement, 4 demandes à 2-3 parcours différents, dont point final là, le département national. C'est pour vous dire que tout le travail que la police vient pour faire. De manière très professionnelle, une institution claire, il y a bien des moyens à disposition pour vous faire service. Tortellus family. C'est pas comme ça la démocratie a fait. De pas fait côté vous-même, vous prenez l'espace à vous faire sauver. On parle de compte de monde qui part, il n'y a que pas de rien à soi dire, mais qui parle aussi de parler à un jour, ça, qui est la qualité tranquillement. Donc, c'est sa situation qui est là pendant la réunion là, et que la réunion a fait, et que la police nationale est très professionnelle, la prend des mesures pour sécuriser. Ni le monde qui a manifesté, et ni le monde qui a décidé de la caillou pour vaquer en situation pour date ça qui s'est vertière. Vertière, c'est bataille qui mène une nouvelle indépendance. Je pense que c'est un événement qui est important pour tout Haïtien et pour Mbadi, pour tout nègre à travers le monde. Il y a une activité qui a organisé dans le département du Nord, donc dans la ville au Cap, et il y a une autre partie d'activité qui a organisé dans la capitale là, puisque nous connaissons, elle a parlé de vertière. C'est vrai que c'est là, à la fois un lieu, mais il vient un symbole tout et il rejaillit sur tout le pays. On a parlé de Vertière. C'est la dernière bataille qui mène nous dans l'indépendance. Donc, Vertière, là, je dis, il est approprié par tout le pays et par tout le monde, à travers la planète et à travers l'histoire, ça montre tout. Donc, il y a une activité à la fois au Cap Haïtien et dans Port-au-Prince, que les officiels ont participé dans toute activité. Ça y est. Oui, et dernier point, c'est concernant. Je ne sais pas si c'est une information, si c'est une rumeur, mais bon, bon, un langage courant, un terme courant. Après, c'est pour utiliser pour qualifier, c'est fake news. Je m'a même levé dans le cabane moins une note qui soit disant par les deux CSPN qui était faite, des dispositions qui étaient préparées par les autorités. Base, élément de manipulation, ça y est, très souvent, c'est une information. Ça veut dire qu'il y a au moins un fait. Non, ça a dit, et puis tout le reste là, c'est menti et manipulation. Par contre, secrétaire d'État à la communication qui existait, il y a un ministère de la culture et de la communication, il y a un secrétaire d'État à la communication qui a un bureau. Deuxièmement, il y a localisé notre là comme quoi il y a tout le monde connaît le bureau secrétaire d'État, c'est sous Bois Verna, lié, donc il va délocaliser, il va déplacer. Troisièmement, il y a un porte-parole pour le ministre qui a un coup de même. Installé, il y a un modèle, c'est lui-même qui prend contact pour ta faire une précision ou une réaction sur notre ça qui t'a émettre à partir du bureau secrétaire d'État, en conseil secrétaire d'État à la communication. Donc, nous inscrivons en faux et prendre distance à tout ça qui est dit dans notre là, que les gens qui sont dans l'officine qui ont fabriqué, c'est eux qui sont responsables de ça qui a dit là-dedans. Troisièmement, maintenant, nous constatons sur les réseaux sociaux, on soit disant lettre qu'on appelle ta écrit. Supérieur hiérarchique pour demander l'argent, cash. L'État patrie a fait qu'un contribuable, qu'un monde qui a fait business dans le pays en cash. Ou bien pour soit payer l'État, ou bien pour faire un chèque de direction, pour déposer dans BRH. Ça veut dire quelque soit institution publique là, ou bien institution privée qui a payé l'État. Alors, institution privée qui a payé l'État, il va venir avec l'argent cash pour faire transaction. Donc, directeur qu'on appelle l'Ambala le matin, il n'est pas au courant de question ça. Lui-même, il dit est-ce que l'objet de parler nous dit n'a le gouvernement a parlé pour lui, puisque ce gouvernement est accusé comme quoi que tu vas l'utiliser comme ça, mais nous disons que nous n'avons rien pour le fonctionnement de l'État, encore moins de procédures qui tracent dans l'administration pour une entreprise publique ou bien privée traitée avec l'institution avec qui se vise à ville. Quatrième élément de formation, comme nous, qu'on appelle, alors, notre com qui concerne par fake news, il réagit. Eh bien, nous saluons démarche là.
puisque y a discrédité l'institution en tant que discrédité l'État qui lui-même n'a prêté à elle. Nous encourageons tout le monde qui est concerné, pas quitter au grand piège fake news à yo, et nous demandons aux journalistes pour yo très très vigilants. Quitte ce dans le niveau gouvernement ou bien dans l'administration de l'État, toute information nous qui sorti qui concerne l'autorité, avant nous-mêmes, nous partager, essayer de prendre soin pour nous contacter l'autorité pour nous vérifier l'authenticité de l'information. Nous avons parlé de réseaux sociaux aujourd'hui, chaque monde son sale nouvelle pour quoi. Chaque monde son média pour quoi. Le concept qu'on utilise, c'est journaliste citoyen. Mais journaliste citoyen, c'est dans la dynamique côté monde qui font le travail de citoyen vrai. Par exemple, si on décide d'écrire dans une zone, il y a un éboulement, un citoyen doit prendre un téléphone, il faut communication. Laisse aller utile la société avec des marches. C'est là que ça va parler de journaliste citoyen. Mais dans toute la démarche, les gens qui fabriquent des informations, les gens qui participent à une dynamique de déstabilisation, nous avons une disposition pour le gouvernement qui prend pour identifier la provenance type de notre salaire, type de texte qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Tôt ou tard, nous avons fini par nous avons une disposition pour prendre contre lui. Alors, contre nous, tout, puisque c'est dans un laboratoire ou bien un office qui a fabriqué. Donc, la machine qui a fait fake news, l'État n'a pas gagné pour nous avec nous. Nous-mêmes, nous continuons de diriger en sérénité. Et selon le procédure qui est tracé, nous avons respecté la loi avec la Constitution républicaine. Particulièrement l'engagement, la disponibilité des coordinateurs techniques départementaux de la CTD pour leur implication inconditionnelle dans la mise en œuvre de ce projet. Je tiens également à remercier le gouvernement japonais de sa générosité pour avoir accepté de financer ce projet à travers le PNUD et pour avoir su bâtir un partenariat basé sur la confiance et sur l'intérêt de servir au mieux les populations les plus exposées aux risques naturels. Un grand merci. Le projet de soutien à la résilience aux désastres naturels inscrit dans la continuité du projet Plan Prévention du Séisme du Nord visait à améliorer la résilience des populations vulnérables face aux divers risques naturels dans le département du Nord et du Nord-Est d'Haïti. Le projet a permis 1. L'intégration de la connaissance des risques naturels dans l'aménagement de territoire et la planification urbaine à travers l'élaboration de plans de prévention et de réduction des risques des villes de Cap-Haïtien et de Wanamint. 2. Le renforcement des capacités des communautés et des groupes cibles à concevoir et à mettre en œuvre des mesures de protection face aux désastres naturels dans les secteurs les plus vulnérables des grandes villes du nord et au nord-est de l'Haïti. Et 3. Le renforcement des capacités de préparation et de réponse au niveau national et départemental, en particulier dans les départements du Nord et du Nord-Est, et finalement, la sensibilisation du grand public au risque des désastres majeurs. Mesdames et messieurs, je suis convaincue que la réalisation de ce projet parle d'elle-même. La réhabilitation des deux centres d'opération d'urgence de Cap-Haïtien et de Fort-Liberté et la dotation d'équipements de première urgence vont renforcer la préparation et la réponse aux désastres. Le pari étant qu'une meilleure préparation aux désastres contribue à réduire les dégâts et les pertes en vie humaine lors d'une prochaine catastrophe. Soyez assurés que le PNUD se tient aux côtés du gouvernement haïtien pour poursuivre son action en faveur de la réduction de la vulnérabilité face aux désastres. Grâce au nouveau financement accordé par le gouvernement du Japon, le PNUD poursuivra son action en appui au système national de gestion des risques et désastres. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci en pile. C'est un grand plaisir pour moi d'assister à la cérémonie de remise officielle de matériel de réception des travaux de réhabilitation des coudes du Nord et du Nord-Est du projet soutien à la résilience aux désastres ici à Fort Liberté. Compte tenu des dégâts considérables causés par la catastrophe naturelle qui se produisent chaque année,
le projet de la gestion des risques des désastres envisage d'abord de contribuer à l'opérationnalisation du plan national de gestion des risques de désastres tout en soutenant des activités locales dans la zone cible, à savoir les départements du Nord et du Nord-Est, et ce, en synergie avec multiples activités entreprises par le MICT via le plan DPC. Après 3 ans d'expérience que j'ai passée en Haïti, j'ai bien constaté moi-même que les régions sont beaucoup exposées à plusieurs sortes de catastrophes naturelles. Le séisme d'octobre dernier qui a affecté les 3 départements du Nord et en est illustration. Dans ce contexte, je me réjouis que l'exécution de projets réalisés en étroite collaboration entre le MICT, le PNUD et le Japon et sur les départements ciblés atteignent le résultat présenté aujourd'hui. Je voudrais féliciter l'engagement de l'ensemble du gouvernement haïtien avec un focus particulier sur les cadres de la protection civile, les centres d'opération d'urgence et aussi à tout le personnel des autorités locales pour leur collaboration. Je félicite également le travail existant entre le PNUD et la protection civile et j'aimerais souligner le partenariat solide et important entre le Japon et le PNUD qui a permis à ces 3 parties du Japon, Haïti et Nations Unies se réunir sur la même scène, de travailler ensemble, d'améliorer la résilience de la population des départements du Nord et du Nord-Est aux catastrophes naturelles, ceci en application des objectifs de développement durable sur les priorités fixées par l'administration Moïse-Séa. Mesdames et messieurs, en profitant de cette occasion, je voudrais vous transmettre le souhait le plus sincère du peuple japonais de voir rayonner l'influence positive de ce projet sur plusieurs communes et départements du Nord et Nord-Est et accompagner plus d'une génération. En ce sens, je suis convaincu que la sensibilisation et le renforcement de capacités personnelles sur les risques majeurs de catastrophes prévu dans le projet jouera le rôle indispensable pour l'appropriation des outils de prévention des risques, assurant la durabilité des actions entreprises. En rappelant que cette collaboration est l'expression de la solidarité et de l'amitié entre les peuples japonais et haïtiens, et partenariat constructif entre le Japon et le PNUD, j'espère qu'elle sera une nouvelle fois enrichissante et qu'elle permettra de renforcer davantage les liens de coopération existants entre nos deux pays. Vive Haïti, vive le Japon, vive la coopération nippo-haïtienne et le partenariat Japon-PNUD. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous voulons absolument remettre un coup de projecteur dessus pour vraiment souligner cette coopération, cette collaboration sans condition, même au-delà de ce qui est défini dans le cadre stratégique justement du projet. Donc c'est pour vous dire que cette collaboration, cette coopération, elle est vraie, elle est effective, elle est franche et elle est, comme j'ai dit, bénéfique pour nous tous. Donc je veux, au nom du ministère de l'Intérieur, adresser des remerciements, d'abord bien entendu au gouvernement du Japon, remerciements pour ce support, ce soutien, et cet appui sans faille. Et ce projet marque encore une fois le renouvellement justement de l'appui du Japon au gouvernement d'Haïti et cet appui qui est encore une fois renouvelé à travers ce projet vu que nous avons d'autres axes de coopération, particulièrement par les boursiers qui vont en GRD et au niveau du Japon et tant d'autres actions que nous faisons de manière ponctuelle avec le Japon. Remerciement en particulier à l'équipe du PNUD parce qu'elle a été vraiment impayable depuis l'inception de ce projet jusqu'à aujourd'hui et ça va encore durer, c'est certain. Et cette équipe qui s'est investie avec son temps, son expertise, sa collaboration et surtout son dévouement aux côtés de nos coordonnateurs techniques départementaux, de nos cadres et de nos brigadiers
que ce soit dans le cadre de l'implémentation du projet ou dans des situations particulières d'urgence où nous avons dû nous mettre ensemble pour faire face et porter des réponses. Remerciement particulier également au bureau régional de la direction de la protection civile. La remarque a été faite encore par la directrice pays du PNUD quand le projet a porté sur deux départements principaux, et le nord et le nord-est. Donc les coordonnateurs techniques départementaux se sont appelés, ils sont mis à la tâche, ils ont fait preuve de flexibilité et justement de créativité pour pouvoir travailler avec les experts du PNUD, comme j'ai dit, avec ce support-là que nous avons reçu du Japon, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir ces résultats sur lesquels nous allons pouvoir capitaliser. Donc au nom du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, nous recevons ces ressources qui vont découler de ce projet. D'accord? Et quand je dis ressources, ces ressources là nous seront présentées tout à l'heure à travers la présentation que va nous faire le coordonnateur technique départemental. Mais en plus de recevoir, nous voulons vous dire aussi que nous recevons les résultats du projet. Résultats que nous allons certainement nous appliquer à dupliquer, okay, et à améliorer pour pouvoir justement les reproduire, les dupliquer et les exécuter à plus grande échelle. Ce qui fait qu'au bout du compte, le projet qui était d'abord orienté sur le nord et le nord-est, nous envisageons certainement, avec les moyens que nous avons, et nous allons avoir des discussions là-dessus pour voir comment nous pouvons, à travers la coopération, continuer. Et nous voulons justement dupliquer et élargir le projet par rapport aux retombées, aux leçons apprises et aux bonnes pratiques que nous avons héritées de ce projet. Na boule. Eh bien, côté Max. Ça c'est ça. Ça c'est. C'est Jean-Aubert Boutus, vice-président. Enfin, si c'est le président, c'est Guy, docteur Guy Pierre Louis, le président, moi je suis le vice-président. D'accord. Bon, jeudi, c'est 15 novembre, c'est la deuxième fois que nous avons organisé une activité pareille. L'idée, c'est mensuellement de réunir et autant que possible des membres de la société civile pour nous informer et sensibiliser sur l'existence du cancer en Haïti et tout particulièrement du cancer infantile. Ça permet de nous font plaidoyer pour que moun ke n'invite yo rejoignent nous la fondation pour permettre nous faire travail là que nous fixer objectif et atteindre objectif que nous fixer nous dans cadre fondation. D'accord, ça qui motive engager nous dans cause ça. Bon, cancer sont gros problème que lié dans le pays d'Haïti, bien que parmi toutes priorités que ministère santé publique gagne pour gérer. Et peut-être que nous sommes capables de dire qu'il n'a pas bénéficié de toute attention que l'État a souhaité. Parce que nous connaissons que quand il y a un problème de maladie transmissible, ou une tuberculose, ou un sida, ou un choléra, et pour ne citer que ça. Et donc, problème de mortalité maternelle, ou plus de 350 morts ou 100 000 qui ont mouru, mortalité néonatale, etc. Le ministère lui-même par rapport au budget que le gain qui est à peine 3,5% du budget national, ça fait que. Et l'obligé de prioriser certaines interventions. Et nous sommes capables de dire que le cancer, avec son problème et mondial par rapport à la quantité de millions de monde qui atteignent la quantité de monde qui mourent, en Haïti, ils sont problème tout. Mais malheureusement, parmi toutes les priorités que le ministère a gagné, y compris le financement qui n'est pas toujours disponible, il n'a pas bénéficié de toute visibilité et attention que nous avons souhaité. Est-ce que je veux dire à nos capitaux qu'il y a en Haïti qui est touché par le cancer? Malheureusement, nous pas qu'à dire que et c'est une faiblesse que nous gagnons dans le domaine du cancer en général. Gon direction de registre national à ministère, mais il y a plus de difficultés pour fonctionner. Donc, collecte de données statistiques pas faite facilement et à rythme que nous t'as souhaité. Maintenant, par rapport au cancer infantile,
Et puisque la collecte des données au niveau départemental n'est pas faite systématiquement, nous avons dit que nous n'avons pas disposé de données et au niveau national. Par contre, au sein de l'hôpital Saint-Damien, qui est seul l'hôpital de référence pour le cancer infantile, il y a près de 500 cas à peu près. 572 cas au cours des dernières années que l'hôpital a commencé à offrir service à. Pour année ça seulement, jusqu'à mois septembre pratiquement, nous étions à près de 70 nouveaux cas au niveau de l'hôpital de l'unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien, qui est seul l'hôpital qui offre des services publics et de prise en charge du cancer pour Timounio. La fondation là pour aider la prestature, tout l'hôpital qui a occupé et qui a bail soin Timounio cancer en Haïti. Mais pour le moment, c'est seul l'hôpital Saint-Damien, seul l'hôpital Saint-Damien qui a une unité oncologique qui est occupée de Timounio qui souffre de cancer. Donc c'est ici que, pour le moment, nous concentrons tout effort nous sur aider l'hôpital Saint-Damien, l'unité oncologique là, pour nous joindre fonds pour qu'on puisse traiter plus de monde, pour qu'on acheter des médicaments, pour qu'on acheter matériel pour aider les gens. Et de l'autre côté, nous avons une mission de sensibilisation tout, parce que nous avons l'intention de participer à la formation médecins et grand public là sur si que si moun ki gen cancer gen pour alerter pour ka wè docteur pour docteur ka référer yo. Donc ça c'est mission dans cadre prérogative direction départementale agricole l'ouest que ministère agriculture bali dit toujours dit que bête cabrit cochon poule ces caisses paysans. Eh bien, puisque nous connaissons ces caisses paysans, il faut que nous cherchions une façon pour nous aider les paysans, protéger eux. C'est dans le cadre de ça, maintenant là, dans la direction, nous gagnons pour nous lancer une campagne de vaccination pour maladies qui sont les peste porcine et puis les chaînes. Ça a eu les maladies réincassées qui sont les cochons. Nous avons une stratégie bien déterminée que nous pouvons utiliser pour nous capables d'atteindre maximal personnes qui gagnent et bêtes ça. Pour nous capables d'aider, protéger bêtes ça qui sont canet banque. Nous avons une stratégie que et direction et coordination que le ministère de l'Agriculture mette sous place, il y a une stratégie pour être capable d'atteindre maximal moun dans la zone et dans la section communale. Nous avons le docteur Haïm qui est avec nous aujourd'hui et qui pourra expliquer nous la stratégie que il mette sous pied pour être capable d'arriver et aider les producteurs, paysans, protéger les bêtes. Lancement campagne vaccination contre PPC, peste porcine classique, maladie peste porcine classique, et maladie Téchène dans le pays d'Haïti. Et principalement, nous avons lancé la campagne la matin dans la direction département l'Ouest à travers la direction départementale agricole de l'Ouest, côté nous est actuellement là. Donc, j'en deux antécédents dit répéter déjà, tant maître cérémonie, docteur Fegui Saint-Fort, qui est responsable protection sanitaire dans la direction départementale, là, dans le département de l'Ouest, là, et Jean, directeur départemental, là, lui-même, qui est principal représentant ministère, là, dans la direction départementale de l'Ouest, là, Jean Yodil, nous, ici, la matin, pour nous capables de présenter stratégie, campagne, vaccination contre PPC, peste porcine classique, et maladie Téchène, communément appelé en Haïti maladie rein cassé caille cochon, et nous là pour nous capables aussi sensibiliser tout acteur qui concerné par activité ça qui c'est une activité principale que direction santé animale qui en dans unité protection sanitaire dans ministère agriculture à travers direction départementale l'Ouest agriculture là a organisé. Mis à part de l'autre activité nous fait dans santé végétale, dans quarantaine, dans laboratoire avec dans innocuité, nous gain plaisir pour nous gain avec nous
directeur inocuité dans l'unité de protection sanitaire qui accompagnait nos matériaux pour venir renforcer l'activité ça que direction départementale ouest là a organisé nous-mêmes dans centrale nous venir bailler coup de main nous venir mettre en touche genre tous les deux directeurs principalement avisel nous venir bailler un appui spécial pour nous capable gagner une campagne spéciale avec des résultats spéciaux. Pour qui ça moi dit une campagne spéciale avec des résultats spéciaux, c'est parce que nous ta remet résultats ça yo supérieur, yo plus ou bien yo plus grand, yo plus palpable, yo plus visible par rapport à l'autre campagne nous qu'on organisé déjà et par rapport à l'autre activité qui qu'on fait. N'a fait un petit retourner pour nous dire maladie Tetchen avec maladie peste porcine classique, c'est deux maladies qui affectent directement cochon yo, qui sont deux maladies qui présent en Haïti, yo endémique en Haïti. Et peste porcine classique est rentré en Haïti. Il y a déjà près d'une vingtaine d'années, bon plus qu'une vingtaine d'années en 1996, mais conformément lutte ou bien contrôle maladie ça a commencé en 2000. Qui fait nous gagner environ une vingtaine d'années depuis n'a fait activité de lutte, de contrôle, activité surveillance épidémiologique, activité vaccination principalement contre maladie peste porcine classique pour nous capables soit contrôler, soit éradiquer. Qui veut dire éliminer le net dans pays à faire disparaître. Et mis à part de peste porcine classique qui c'est une maladie qui affecte cochon directement, nous jeune caille cochon, nous pas jeune les caille l'autre bête. Nous gagnons maladie Tetchen qui rentrait en Haïti tout dans l'année 2009, qui vient causer plus de problèmes encore dans le cheptel cochon, dans l'économie rurale, dans l'économie pays. Jean, directeur, a été annoncé, Jean, docteur Fegui, a parlé de ça dans le commencement. Problème santé animale, kay cochon, ça, yo, c'est des problèmes santé animale majeurs pour nous dans le pays. Yo causé en pile dégâts économiques et nous te prend en pile temps pour nous capable répondre correctement avec contrôle maladie Tetchen là parce que c'est une maladie qui dans le monde li existait depuis des siècles mais li tend à disparaître li pas représenté un danger un problème grave encore pour santé animale et économie pays l'autre pays li était affecté li était entré là dans déjà. Mais voici que en Haïti nous fait face avec maladie ça depuis 2009 mais nous t'étant plusieurs années avant nous t'est capable répondre correctement à exigence que ça fait dans santé animale pour nous contrôler pour nous aider éleveur yo contrôler maladie ça qui c'est principal monde que n'a travaille pour yo mis à part de population que nous produit bétio nous produit manger yo pour yo capable pour nous capable nourrir nous nourrir population mais nous travail principalement pour éleveur yo pour avec planteur yo mais jodi an n'a plus parlé de éleveur yo parce que maladie Tetchen avec peste porcine classique que n'a lancé campagne vaccination li affecté bête et li affecté cochon seulement li pas une maladie qui capable transmettre kay moun li transmettre seulement cochon à cochon. Chaque 17 novembre, il y a célébré dans le monde la journée mondiale de la prématurité. Sa prématurité, son petit monde, son femme qui est enceinte et puis les accoucher avant l'heure. Puisque grossesse à lui-même, il doit arriver jusqu'à 37 semaines pour Bibiti, et bien, il y a un monde qui accouché avant l'heure. Et le ça, et dépendamment de qui l'âge de accouché, bon, classification qui fait de prématurité ça. Mais sujet ça, il est censé interpeller parce que les gens qui fait avant l'heure, ils sont exposés à des risques, par exemple, risque d'infection, risque d'hémorragie dans la tête, risque au niveau de tube digestif que coco fin en forme, risque pour qu'ils soient capables mourir de hypothermie, c'est-à-dire température corporelle qui descend trop bas. Donc, c'est une situation qui interpelle parce que
moun ki ti moun ki mouri la yo fin fèt pandan premier mois et de naissance sa rele mortalité néonatale ki reprezante 32 3 c'est 32 pour 1000 c'est-à-dire sou chaque 1000 ti moun et ki fèt gen 32 la dan yo ki mouri et prématurité a li reprezante un fort taux nan peyi d'Haïti. Nou pa gen chiffre exact pour mortalité néonatale la mais nou konnen ke par exemple, pour chaque sous-timoun qui mourit avant l'âge de 5 ans, eh bien, prématurité à lui-même seul représentait 14%. Donc, ça veut dire son situation qui mandait pour nous capables rappeler et population sous nécessité qui gagnait pour nous capables de suivre les docteurs lorsque nous enceintes. Mais surtout, question prématurité à son question de prise en charge qui malheureusement pas arrivé faite correctement. Parce que dans le pays d'Haïti, si dans certains hôpitaux privés, à cause de structures qui plus ou moins répondent à normes, plus ou moins, qui fait que arrivé pour en charge les gens qui fait avant l'heure, mais malheureusement, dans l'hôpital public, par manque de structure, par manque d'infrastructure, et qui vient faire que en pile, tout le monde s'est arrivé mourir malheureusement. Et d'après le plus souvent, c'est infection qui tue tout le monde, parce que espace côté prise en charge à fait là, n'est pas approprié, pas gagné suffisamment de médicaments appropriés pour prendre en charge tout le monde, qui fait que malheureusement, il a mouru. Donc c'est une situation qui mandait pour que il y ait des interventions qui faites au niveau de centre néonatologie dans le pays d'Haïti. Nous gagnons par exemple dans l'hôpital général, nous gagnons dans l'hôpital La Paix, là qui dans les zones métropolitaines de l'hôpital public qui gagne néonatologie. Donc, il faut que structure ça même soit capable d'équiper. Déjà, nous avons faiblesse à ce niveau-là dans le pays, dans la prise en charge de monde qui fait avant l'heure. Pas gain en pile l'hôpital qui arrive à faire ça. Là, ça qui arrive à faire lieu, structure là pas et approprié. Donc, c'est ça que fait. Nous demandons pour que population d'abord pour sensibiliser sur nécessité qui vient pour le vin car le docteur lorsque enceinte parce que en pile fois situation fait ou accoucher avant l'heure c'est des bagages que nous capables éviter mais deuxièmement faut gagner une amélioration qui fait dans centre néonatologie pour que moun sa ou même yo capable venir un soin qui est plus ou moins approprié. Qu'est-ce qui est capable de faire un monde accoucher avant l'heure? Par exemple, ou gagner infection pendant la grossesse. Alors, premier bagage nous capable de dire, c'est parce que nous n'avons pas suivre correctement. Dès qu'on parle de suivi, ou grand pile risque pour accoucher avant l'heure, parce que en pile problème, c'est des bagages que nous sommes capables d'éviter. Par exemple, une infection qui bat mon douleur, li a parle au docteur, et puis douleur ça persiste, elle est capable de faire l'accoucher avant l'heure. Et un monde qui a porté plusieurs bébés, il y a un risque pour l'accoucher avant l'heure. Nous gagnons les complications de hypertension, ça veut dire maladie tension pendant grossesse. Donc, le bail des complications capable de faire mon accouche avant l'heure. Ou gagnons le timon n'y a pas développé bien en dans 20 mounes. Donc, tout ça y a gagné une situation sociale que mon n'a pas évolué tout. Plus mon et nos niveaux de misère, plus mon n'a pauvre, c'est plus nous ouais que mon ça y a gagné accouchement prématuré. Donc, c'est parce que c'est des mounes qui pas suivent les docteurs, c'est des mounes qui pas prendre médicaments correctement les prescrits, donc c'est ça qui fait nous gagner beaucoup plus de cas de prématurité dans le groupe. Ça. Et nous sommes les divers la presse qui est présent là, et il faut que nous travaillons qui rage qu'a fait là, c'est depuis mercredi soir, la fin de tomber que nous avons fait. Parce que faut que nous disions que le travail que nous avons fait là, nous obligés faire chaque trois mois nous faire kirage trois fois non mois raison c'est parce que l'eau qui sorti les la pluie sorti Pétionville la pluie a renversé du côté tabac et nous mêmes nous pas arrêter en silence parce que le nous prend cafoufler yo la pluie les la pluie sorti de l'eau qui sorti dans Karadé passé devant ambassade américaine toute l'eau ça vient dans la commune tabac et bien jodi a depuis mercredi soir, nous campons sous deux pieds nous et nous faisons travail ça. Parce que si nous ne faisons pas, nous connaissons que nous sommes exactement capables avec la pluie, avec l'eau et que la pluie a apporté chaque soir pour nous. La présidence s'est mise la commune de tabac en confiance. Nous faisons caniveau et bien mettez Alphat pour nous. Et jusqu'à présent, nous avons toute zone de CPJ. Nous faisons toute santé capable de nous écraser Mimounio. Ok, ça nous dommage, et dommage. Et jusqu'à présent, nous faisons caniveau. Jusqu'à présent, nous avons demandé à la présidence, fait toute saleté capable pour nous. Premièrement, l'entrée dans le marché,
tabac, il faut que les gens soient fiers pour entrer là-dedans. Mais je ne dis pas là, nous demandons la présidence, comme nous te mettons nous en confiance, depuis nous faisons caniveau, la fait autre chose pour nous, et bien nous demandons de faire ça pour nous. Parce que jusqu'à présent, que Mounio qui entrer dans le marché, franchement, son monde entre dans le marché tabac, et il y a plusieurs routes débouchées. Parce que depuis 6 heures dans l'après-midi, eh bien, aucun n'a fait 2 heures dedans pour arriver même quoi débouquer. Parce que pas de route débouchée. Mais comme nous avons fait tout le canal, nous avons fait trottoir, nous avons fait caniveau, mais on seul bagage demandé l'État central, ouais, qui ça était capable de faire pour nous, en façon que pour bloquer ça capable de sortir exactement. Et faut que nous de Radio Guinée, chaque soir, nous obligeons de mettre une équipe dehors. Nous demandons SMCRS, nous demandons travaux publics, CNE. En même fois que nous faisons appel ensemble avec vous, il faut que vous capable d'aider nous. Si nous-mêmes n'apprenons ça, n'apprenons pas, nous avons besoin de nous pour nous citer soleil. Égal, nous demandons l'État central, voyez sur la commune de tabac, parce que la commune est bouquée, et même nous-mêmes magistrats, et si nous disons devant catastrophe, ça nous fait bagasser, soit jamais. C'est l'État central seulement capable d'aider nous, et on fait que pour la commune est capable de là. Mais ça dit bon. Je salue la presse, parler, écrire, téléviser. Nous même équipe plateforme Voix Peuple là, n'a félicité président pour gros effort la fait dans tête gouvernement qui permet peuple la prendre jeune courant 24 sur 24 dans tous 10 départements. Nous disons bravo pour ça. Non, toute équipe qui était gourmet pour accoucher pouvoir. N'a un gros coup de chapeau pour le ministre intérieur qui c'est Jean-Marie Rinaldo Brunet pour bon travail la fait dans tête ministère. Nous disons bravo. N'a tout vos messages pour l'opposition, pour le bas pays en chance, pour le peuple à capacité au 18 novembre, dans la paix, dans la tranquillité. Nous même alliés, sympathisants, avec sympathisants, n'a pas dit, nous ne pouvons pas quitter l'opposition, craser le pays, pour le bas pays en chance. Nous même jeunes garçons et jeunes femmes, dans le pays, les n'a pas gardé qui j'en nègre et femme, cap fait politique dans le pays, et moi remarqué clair. Ces affaires payo, y a réglé. Mais c'est plutôt ces affaires payo. N'en prend ou libre sous deux peuples là. Messieurs, m'a dit nous n'a mal agi. Si nous remet pays à vrai, plutôt nous mettez tête nous ensemble à gouvernement dans l'idée pour travailler ensemble. Et river où était Haïti dans sa lié journée aujourd'hui. L'île est temps pour nous suspendre faire politique traditionnelle, ça, côté ces intérêts personnels, nous, seulement nous défendons, il faut que nous divorcions à la pratique ça. Tout le temps, nous n'avons voulu aller, depuis 1986, à journée aujourd'hui, qui n'est pas utile nous en rien, côté que le pays a vint plus mal. Nous, grand plaisir, dans des choucailles crasées brisées, qui mettaient Haïti dans sa lieu là. Alors, m'a dit nous, monsieur, nous avons une opposition qui c'est Moïse Jean-Charles, André Michel, Muraille, nous tous sommes paquet de bandes vagabonds que nous y est. Anti-peuple. Nous avons mis des désordres dans le pays, nous empêchons le peuple à vivre. M'a dit nous assez. Nous avons un groupe jeune qui là, qui suivent nous. Il faut nous pas mettre dans la tête nous que c'est nous-mêmes qui sommes plus bons penseurs. De l'autre monde qui a pensé tout dans le pays. Si nous t'aimons un pays à vrai, nous allons faire toutes les autres ça dans le pays. Alors, monsieur, vous demandez nous pour nous repenser, ressaisir nous. Il faut que nous ayons une chance. Nous-mêmes, militants, tête calée et alliés, tête calée, nous sortons dans le silence nous pour nous dire, fois ça, nous bouquons. Nous bouquons. Nous bouquons avec les gens qui a manipulé le peuple. Nous bouquons avec un petit groupe de gens qui dit que c'est force et pourtant qui veulent écraser le pays. Madame ak petit yo pa en Haïti, yo pa vle l'école fonctionner dans le pays. C'est peut-être ça. Voix peuple là, c'est qui c'est plus beau plateforme PHTK avec Placide, c'est plateforme citoyen Delma. Mettez nous ensemble pour dire opposition, ti peuple là pas prendre complot ça. Parce que chaque lè gè coup d'état, c'est ti peuple là qui souffre. Chaque lè gè manifestation, c'est malheureux à malheureux qui pas ka sorti vaquer ak travail activité yo. Chaque lè gain des blousailles dans le pays, ce monsieur plus mal, le plus mal pour nous-mêmes qui ne classe basse là. Je vous dis, nous avons un message sacré pour nous dire, nous ne sommes pas d'accord avec les gens qui manipulent le peuple là.
moun kap pere pran l'argent sous do peuple la pou di ke y ap défend peuple un jour ne jodi a plateforme voix peuple la sorti dans silence li Placidel qui c'est plateforme citoyen de la sorti dans silence li pou di non peuple haïtien jour 18 novembre non n'a chita la kay nou n'a vaqué avec activité nous ça quoi l'église pour l'église ça quoi la messe pour la messe mais chaque après de la caillou après de la caillou parce que trop secouler dans pays ça nous pas d'accord pour peuple ça ne pas ces misère avec petit crasse moun ça qui dit yo c'est opposition hein CODEVI confédération des délégués des villes d'Haïti CODEVI a salué la presse parlée écrit à télévisé qui l'a jodi a nous même dans CODEVI c'est peut-être ça jodi a là nous venons dire président Jovenel Moïse dans campagne il fait il compte toujours dit il connaît collectivité a qui c'est délégué des villes Azek Kazek parce que il croit avec délégué des villes yo avec Azek Kazek yo la plus bien atterri même moi les président fin élu nous a li mépriser nous li humilier nous il fait nous honte nous penser président Jovenel Moïse que c'est des bagailles au point de vue social il t'a passé par nous-mêmes les nous garder nous on nous mal calculé nous ça président t'a dit dans campagne là les fin élu c'est pas ça le fait c'est pas ça le dit c'est peut-être ça n'a dit président Jovenel Moïse dans budget 2018-2019 là et n'a dit premier ministre député yo sénateur yo n'a demandé pour augmenter frais session pour nous à 75 000 gouttes. Et nous avons demandé au président pour publier l'élection indirecte pour AMIO qui a siégé. Parce que nous avons dit au président, ou avons regardé les députés et sénateurs, surtout les députés, qui ont dit ou pas supposé publier l'élection indirecte. Et quand nous avons dit, députés et sénateurs, c'est poche à plein. Mais nous avons comment il a fait stratégie pour jeter le pouvoir, pour accompagner l'opposition. C'est pour être sénateur du président. Si on n'a pas de base, on n'a pas de nous-mêmes, collectivités, délégués de villes, ASEC, KAZEC, c'est notre base. Là. Et nous disons, pas jamais trop tard. Pour refaire tout le bagage, président, dans le budget 2018-2019, frais session, si on peut pour nous 75 000 gouttes, si on publie l'élection indirecte pour AM siéger, parce qu'elle n'a pas. Député, yo, à bon parole, même du bas président. Les députés, yo, li du pas publier l'élection indirecte. Vous comprenez ça? Li, gese de bagay, qui konvin nanmen yo, peut-être pas konjouen, li même s'il vin nanmen nous même qui délégué des villes, qui nanmen Azek Kazek yo, peut-être la jouen, ça veut dire que président, ou va atterri. Mais, moi, son moun qui très intelligent, moi, prenant coup ça, moi, pour un matraquage politique, ça, président, je dis, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Nous-mêmes, dans le CODEVI, qui est la Confédération des délégués des villes d'Haïti, nous avons quatre pays et dans les jours à venir, si les revendications ne sont pas passées, nous pourrons motiver dans tout département, nous pourrons bloquer tout département, parce que nous avons fait campagne, même avec tout le monde, nous avons même avec tout le monde, nous-mêmes, vendre des bagages. Non mais nous, pour nous injecter dans la base, pour nous injecter dans l'organisation, pour le peuple qui te vote, pour nous être satisfaits, nous-mêmes pour nous marcher dans le bloc, pour nous marcher dans la section communale, normalement. Merci beaucoup.